avec ces vidéos, je vous propose de vous accompagner pendant vos entraînements quotidiens au violoncelle. Ce sont des vidéos courtes qui correspondent chaque fois à un exercice différent et vous pourrez donc composer votre séance d'échauffement avec plusieurs parmi elles. À la fin de chaque exercice, vous obtiendrez une étoile. Pour une bonne séance, il en faudra collectionner au moins 5. Commençons alors notre entraînement. Voici un nouvel exercice pour développer la liberté des gestes de votre main gauche. Durant cet exercice, cherchez à bien ressentir la pulsation dans votre corps. Le métronome nous aide pour qu'elle soit bien régulière, mais il ne suffit pas seulement de l'écouter. Concentrez-vous à observer les sensations d'appui par rapport à cette pulsation. Parfois, le doigt se pose et parfois, au contraire, il monte avec la pulsation. C'est une grande différence au niveau du geste qui est liée aux appuis de la pulsation. Prenez quelques bonnes inspirations et on commence. D'abord, sur la corde Do. 3. Vérifiez bien la position de votre bras gauche. C'est le poids de votre bras qui aide à appuyer vos doigts sur la corde et non pas le serrage des doigts avec le pouce. Maintenant sur la corde sol. 3, 4. D'ailleurs, vous pouvez enlever de temps en temps votre pouce en jouant. Ne bloquez pas vos doigts et surtout pas ceux qui ne jouent pas. Cherchez toujours une sensation de confort. Sous la corde Ré. 3, 4. Cherchez toujours à ressentir la pulsation. Relâchez votre corps et vous pouvez même vous balancer légèrement avec la pulsation. Comme si vous dansiez tout doucement. C'est beaucoup plus agréable et c'est pas comme ça. Sur la corde là. 3, 4.
dans un nouvel exercice.